Bonjour à toi YouTube, on est de retour pour une petite vidéo invocation sur Dragon Ball Legend. Un petit portail qui est tombé ce matin avec un nouveau Sparking qui est Broly. Tu le vois devant ton écran actuellement. Personnellement, je m'y attendais pas du tout. Je m'y attendais pas du tout, je m'attendais à un portail fin juin à peu près avec tous les leaks qu'il y a eu. À ce moment-là, sur plein de nouveaux personnages, je m'attendais plutôt à un portail comme ça, et non pas un petit portail Broly tiré par les cheveux qui tombe de nulle part. Hein. Bref, tant mieux, ça met un peu de nouveauté, mais le jeu est sorti sur iOS pardon, il y a une petite semaine, ça leur fait deux portails. Je pense qu'ils ont eu, ils n'ont pas réussi à récupérer autant de cristal du temps comme moi, parce que voilà, j'ai fait mes deux multi offertes du début et tout le reste. J'ai gardé, donc voilà, j'ai accumulé 6540 cristal du temps depuis le début du jeu, donc je dois être un mois à peu près. Donc là je vais partir pour 3 multi-invo, et ce portail m'intéresse vraiment pour deux manières, pour deux raisons. Donc sur celui-ci, je les ai quasi tous. Sur ce portail, je les ai quasi tous. J'ai eu le Vegeta Sparking sur une multi-invo du début et une single. J'ai eu le Piccolo sur la single Sparking Guarantee avec le ticket qu'il nous avait offert. Le Goku, il n'a pas d'étoile parce que je l'ai eu en passant niveau 20. Et la Pan, je l'ai eu pareil sur la multi offerte du début et une single depuis un mois. Il me manque le Paekwan, en gros. Et quand je regarde le portail de celui-ci, ben, on a déjà le nouveau Broly. Qui a l'air d'être plutôt pas mal. Faut l'avouer, il a l'air de... Air de casser des dents, de tordre des bouches, donc à voir bien entendu. Le Vegeta, il ne fera que améliorer le mien au besoin, il est déjà 1000, je suis en train de monter son arme. Le Goku, qui n'a pas d'étoile, donc j'ai pas eu un tirage, mais qu'on m'a offert, donc aussi. Et le Paekwan que j'ai pas, qui m'intéresserait du coup, parce que si j'ai le Broly le Paekwan, j'ai tous les Sparkings du jeu. Et donc... La Pan aussi, qui fera qu'une évolution. On passe sur un nouveau Krillin, un extrême avec une capacité, donc c'est pas mal. Et on a fait le tour. Ah, je pensais qu'il y avait un... J'ai mal vu ce matin, du coup. Je pensais que c'était une Pan extrême. Et non, là, je vois que c'est la Pan Sparking. Ok, bon, autant pour moi. Donc, il n'y a qu'un nouveau personnage, c'est un Krillin... Krillin extrême. Bon, on en avait déjà un dans... Dans la rareté Euro, donc on va voir ce que ça donne. J'ai fait mes deux singles donc ce matin ici et là à 20 pierres. Je joue que du caca. Bon, on est parti pour le premier tirage. Ouh, allez go. Pas mal de capsules, une petite transformation. Donc on a les mêmes taux de drop. C'est vrai qu'on a regardé le portail avec les personnages. Mais... Oh, un glissé rouge, ça fait plaisir. Et on a le même taux de drop. 5% de sparking. Et oh, Freezer qui prend une bonne tête. Alors juste une petite information que j'ai remarqué bien. La boule qui arrive, quand elle arrive de la gauche, c'est un héros. Quand elle arrive de la droite, c'est un extrême. Et quand elle arrive d'en haut, c'est un sparking. Premier, un héros, Jis. Le deuxième, un héros, Buta. Un troisième, Sparking. Le Goku. Ben voilà, il va monter deux étoiles, le Goku. J'hésitais à le monter parce qu'il était qu'une étoile. Et ben là, j'hésiterai plus. Un extrême. Tao Pai Pai. Un extrême. Un Goku. Un extrême. Notre Goku. Un héros. Chao Su, un autre héros, Dodoria, un autre Sparking, oh notre Goku, il va monter en étoile du coup, mais bon, un troisième Sparking, 5% de taux de drop, c'est-à-dire que je suis censé avoir un Sparking sur une multi, je fais une multi, j'en ai 3. Alors, intérieurement, je vais pas vous mentir, je suis ultra content d'avoir donc 3 sparkings sur une multi.
Mais aucun de ce que je voulais, ni Broly ni Pequan. Donc j'ai un ascenseur émotionnel assez impressionnant. Mais ça va tout de même. Kumapan qui passe 4 étoiles. El Goku. Voilà, bim. Qui passe 3 étoiles aussi grâce à ça. Voilà, j'hésiterai plus à l'utiliser du coup en PvP, je vais le monter plus sérieusement maintenant. Et je crains pour lui mettre deux autres multi, du coup. Parce qu'on commence très 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 fort. Oh là 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 là. Où ses émotions? Ce jeu est horrible. J'hésite. Non, j'hésite, mais il faut que je le fasse. J'ai dit que j'en ferai 3, j'en fais 3. Parce qu'à tout moment, là, mes deux autres multi, j'ai que dalle dedans. Parce que j'aurai mes 5%. Même pas. Je sais plus calculer. Bref. Allez, on continue. On relance la deuxième. Beaucoup de chance sur cette première multi, vraiment. On va voir les deux autres ce que ça donne. Je croise les doigts, vraiment. Mais ciel rouge, pas de capsule. Juste une petite aura blanche. Et il se fait méchamment casser les sourcils à notre Goku. Aïe, 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 aïe. Ah, ben oui. Bon, on a eu Freezer, la première, un héros. Semblait logique, Freezer. Un extrême, ouais. Et ben ce Goku-là, héros. Chaozu, Tenshinhan, Chaozu. Oh Tenshinhan, un autre héros. Vegeta. Un autre extrême. Ah, ben le nouveau Krillin. Voilà. Un extrême. Chaozu, du coup, héros. Héros. Ah, donc il y avait bien une nouvelle pan. Mais il y avait donc le combat. Donc il y avait bien une nouvelle pan. C'est ce qui me semblait. Héros. Goku. Héros. Gohan. Bon. Fallait s'en douter. Bon. Il y a du passage de niveau. Ce qui est normal. Ouais, ça augmente, ça augmente. La troisième. Qu'on a eu 3 sparkings pour 20 persos. La première multi était vraiment. J'en reviens pas, je suis vraiment encore à 3 capsules. Un super saiyan. Est-ce qu'il va y avoir. Oh! Oh! Freezer qui se fait encore avoir! Aïe aïe aïe! Il s'est bien battu, un héros! Le Broly, s'il vous plaît! Okay. Entre Pequan et Broly. Personnage, mon personnage préféré restera quand même Broly. Pecon a la classe, mais Broly a. Il pèse dans le game. Un extrême. Un héros. Ah, donc il y a un Pecon héros. Bon, bah, au moins je serais content. J'ai eu un Pecon. Maintenant je veux le Broly. Extrême. Je veux le Broly. Le Sparking. La pan. Oh non! Un héros. Un extrême. Un héros. Un héros. Oh la pas encore. Bon, elle est niveau 1000. Il va falloir que je monte son arbre du coup. Mais elle est quand même niveau 1000. Le Paycon.
Voilà. Tac. 5 étoiles. Qu'une pan 5 étoiles. Une pan 5 étoiles. Est-ce que je joue avec la chance ou est-ce que je joue pas avec la chance? Est-ce que je joue ou pas avec la chance? Bon. Dans les personnages, voyons voir. Normalement, liste perso. Il me manque vraiment ces deux-là. Bon, allez. Go. On y va. Une dernière pour voir. Je craque. Il faudrait pas, mais je craque. Ouh, beaucoup de capsules. Il se transforme pas. C'est pas hyper bon signe. C'est une égalité au niveau des combats. Ah, oh, un glissé or, j'avoue que je sais pas du tout ce que ça veut dire. La première fois que je le vois. Ah. Ah. On arrive sur une égalité comme avant. Un héros. Le Sparking. Ah, oh, le Pake One. Oh, l'ascenseur émotionnel. Bon, bah, il manquera le Broly. Héros, enfin le multi est pas fini, mais héros extrême. Putain, on n'aura pas héros, on n'a pas un extrême, il est deuxième Sparking. Ok Max, merci pour l'info. Je veux le Broly, s'il vous plaît. Héros. 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 Et c'est terminé. Bon, bah j'ai un nouveau perso, j'ai le Pequan. Ça me fait un Sparking dans chaque catégorie. Donc au final, sur ça, je suis plutôt content parce que je vais pouvoir me créer une équipe PVP. Vraiment, ils vont pouvoir de choisir en fonction de du mec que je vais avoir en face. Je suis content, je suis content, je suis content. On va pas râler, on va vraiment pas râler sur le coup. On a fait 4 multi, on a eu 5 sparking, non même pas plus. 3, 4, 6. 4 multi, 6 sparking, c'est. Pour Legend, avec un taux de drop à 5%, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et du coup, au niveau de l'équipe, la nouvelle équipe que je vais avoir, ça va être ça. Il est où le Pequen? Là et là. Le Goku, du coup, il va passer en titulaire avec le truc. Donc, bonne équipe, ça sera vraiment ça. Ces trois-là pour le PVP, une fois qu'ils seront 1000. La Pan est à quand même à 5 étoiles. Il va falloir que je regarde tout ça. Mais voilà, mon équipe Sparking va donner ça. Je vais monter le Pequan très rapidement. Et voilà. Merci à toi, YouTube, de m'avoir suivi. Si tu as aimé la vidéo de ces invocations, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu. Et à me voir dans la description, t'as ma chaîne Twitch, ma chaîne YouTube. Je fais pas mal de lives. Enfin, je fais des lives, pas mal. Je fais des lives sur ces deux plateformes. Donc n'hésite pas à venir me suivre et à poster un petit commentaire en dessous de la vidéo. Tchou, bonne soirée!